Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 92 de notre 100 baby challenge. Vous allez le voir, nous allons faire encore des anniversaires, nous allons encore accoucher, encore retomber enceinte. Je vais faire la totale, je veux terminer ce challenge. Je suis en fait surexcitée excitée de terminer le challenge. Genre vraiment, je me dis, oh, ça fait un an qu'on est dessus, ça fait un an qu'on est dessus. Genre on faisait deux vidéos par semaine et on a fait des semaines sans bébé entières et après on est à une vidéo. Bref, tellement ce challenge euh, a suivi en fait un peu notre vie pendant un an. Voilà, vous avez suivi ce challenge, vous avez suivi la vie de la famille Tanaka, vous m'avez suivi aussi également grâce à ce challenge, Donc merci beaucoup aux personnes qui ont rejoint euh, bah, la chaîne grâce au 100 Baby. Mais c'est bientôt la fin. Et franchement, j'ai hâte. <laughs> on se retrouve donc vendredi à 15h et des brouettes, puisque les enfants, Flora et son frère sont rentrés de l'école et ils ont un A de moyenne, donc on va pouvoir faire leur anniversaire. Oui, oui, oui. Ah, oh, j'ai beaucoup trop hâte. Donc, euh, est-ce qu'il y a un gâteau de Mais toi, par contre, tu as besoin de te divertir. Va jouer à l'intérieur au pire, très bien. Et elle, elle a juste faim, donc viens ici. Pourquoi tu rigoles, euh, Aurore <laughs> On va sortir un gâteau, s'il en reste un, oui. T'as faim, toi, c'est pour ça que tu es en train de faire manger. Ah oui, c'est vrai qu'on a les certificats aussi. Attends, attends. Faut pas que j'oublie les certificats. Hop, je mets les certificats dans l'inventaire et on va voir combien on en a. Techniquement on en a beaucoup. Hein. Waouh, C'est quoi tout ça? Mais c'est quoi ce machin? Déco, un livre ouvert encadré, débloqué au niveau de la KR5 d'auteur. Mais c'est super beau. Mais en vrai, c'est trop mimes pour, euh, pour cet endroit-là. Là, pour les enfants, un peu on, on peut imaginer. Bon, ça on s'en fout. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Et ça. On va taper 45, puisque oui, vous m'avez dit écrit au lieu de faire plus, plus, plus. Donc je tape. Par contre, moi je veux voir euh, notre trucs à nous, quoi. Éditer en direct, c'est débogage. Ah, c'est là, ok. Par contre, on a donc 95 bébés. Il nous reste 5 bébés à faire. Allez, c'est parti. Tu vas souffler les bougies. Ça, je mets au frigo. Et voilà le petit anniversaire raté, comme d'habitude, de Flora. Et ensuite, ça va être à son frère Flèche de venir souffler les bougies. Tous les bébés vont super bien. Ils vont vieillir demain, les gens. Donc euh, écoutez, demain, on fait venir les bébés. On fera le relooking, donc, des ados et des bébés. Demain, on va pas le faire aujourd'hui. Je préfère faire un relooking et c'est tout. D'ailleurs, on est enceinte, nous, non Je crois que oui, hein Oui. On est où euh, Flora vie donc elle était solitaire. Quel va être son deuxième trait de caractère Pitre. Oh bon génial. On va la mettre euh, dans je sais pas euh, adolescent, un truc comme ça, de toute manière à chaque fois. L'aspiration, elle disparaît. À toi, mon petit. Oula, tu vois pas très bien. Souffle les bougies. Vas-y, go go go. flèche Et donc oui, je disais, on est enceinte. <laughs> elle est en train de chanter. On passe au euh, deuxième trimestre dans 21 h Ok. Donc, ajoute des bougies. Tu vas remettre le gâteau après au frigo. Pourquoi je peux pas le mettre au frigo Flash. Il était amoureux des chats, elle va être son deuxième trait de caractère. Oh, il aime la musique! Oh, mais c'est trop bien ça! Il pourrait faire du piano en vrai! Oh, go, on va le mettre dans la musique. C'est où la musique déjà? Créativité, musique. Pourquoi elle jette le gâteau? Tu te fous de ma tête là? Bon, de toute manière, le gâteau était bugué. C'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que t'as toi Soin du bébé ultra efficace. Ne pleure plus. On est un petit peu fatigué. On va aller dormir. Et donc là, vous ressemblez à quoi Oh là là oh C'est cassé ça, mon dieu, répare. Ok, ok, j'ai m'occuper de vos besoins. On fera votre looking demain. Donc tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre des restes. Et ensuite, t'as besoin de te divertir et d'aller dormir. Est-ce que tu peux vendre Vent et après à dormir. On verra pour le divertissement plus tard et vos devoirs plus tard. De toute manière, on a tout le week-end pour les faire avoir à un niveau 3 dans une compétence. Donc on est large. flèche quand il aura fini de réparer, il a aussi plein de trucs à faire comme aller aux toilettes, aller prendre une douche, manger un petit truc et ensuite aller dormir. Il, il aura aussi besoin de se divertir mais bon, on verra pareil plus tard. En tout cas, là, les trois bébés ils vont plutôt bien. D'ailleurs, oui, il va falloir que je change leur nom. J'ai hâte de voir ce que vous m'avez mis en commentaire. Ok, tout le monde fait dodo, mais nous on va se réveiller, Aurore, parce que t'as envie d'aller au pipi room. Et les gamins, braille, j'arrive, j'arrive, j'arrive. On va changer la couche sale. C'est bientôt l'anniversaire de Patrick, d'Amandine et d'Axel. Oui, je sais, mais pourquoi tu pleures toi Bon, soin du bébé très efficace parce que tu me saoules. <laughs> nous sinon bah on va plutôt bien. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce qu'on augmenterait pas une compétence à elle Il y a encore la cuisine qu'on pourrait augmenter, je crois. Cuisine on est neuf. Ouais on va encore faire de la bouffe, pourquoi pas. On va enlever la nourriture gâtée et ensuite on va cuisiner un petit repas. Des macaronis au fromage. À 23h ce fou il fait du piano. Non mais par contre sa tenue là, lunettes, chapeau. Oh Catastrophe faut vraiment que je les relouque là, vraiment, faut que je les relouque c'est pas possible. C'est bon, les bébés ont arrêté de pleurer. Écoutez, on a besoin un petit peu de social. On va plutôt retourner dormir parce qu'il est quand même minuit quoi. Toi t'en es où Flora Ok, Flora elle fera ses devoirs en se réveillant et elle aura besoin de se divertir. Au pire, elle ira jouer à un jeu vidéo. C'est divertissant de jouer à un jeu vidéo. Mais on n'a pas de console ici, je crois. Euh, oui, t'as acquis le niveau 2 de piano, ben bravo je sais pas ce qu'il fout, pourquoi il fait du piano là? Faut peut-être qu'il s'occupe de ses besoins. Elle ira jouer aux jeux vidéo sur l'ordinateur de leur chambre d'adolescent. Toi, quand tu vas te réveiller, te faim, donc tu prendre des restes et tu vas t'occuper de tous ces mioches qui hurlent à la mort. <laughs> je pense qu'il va falloir les nourrir sûrement. C'est sûrement ça qu'ils ont besoin. Ah, bah elle est allée jouer aux jeux vidéo, mais en bas, d'accord. Ah non là elle fait ses devoirs, elle fait ses devoirs. Okay. Elle fait ses devoirs sur un clavier. Très réaliste, ma petite. Amandine a très faim. Oui 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 oui. Alors Amandine va être nourrie, tu te réveilles. Tu vas nourrir Amandine. C'est qui Amandine? C'est là. Nourrir. En plus j'ai dit hein, qu'il fallait que je nourrisse Amandine. Devoir terminer. Bravo. Arrête de pleurer s'il te plaît. <laughs> on va ensuite prendre des restes et prendre une petite douche. Voilà. Donc ça ce sera parfait. Et donc Flora, on va lui faire faire quoi comme compétence oh Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, vous savez, de l'escalade et tout. Oh là là, venez, elle va essayer. Par contre, je crois que c'est dur à augmenter. Bon, on a tout le week-end en soi. Elle pourrait faire une séance d'escalade d'entraînement. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait ça. Même de la luge et tout, ce serait trop cool qu'on aille en faire. Est-ce que nous, on peut en faire quand on est enceinte ou on peut pas Non, on peut pas. Ah oh bah d'ailleurs, il est samedi. va falloir qu'on qu'on fasse les bébés. C'est parti. Après sa douche, elle va donc changer d'âge les trois enfants. Et après, on pourra faire le relooking de tout le monde. Et euh, je pense qu'on terminera l'épisode en, en accouchant techniquement. Voilà, donc je reconfirme, c'est bel et bien aujourd'hui samedi l'anniversaire des enfants. Bien sûr, tu vas partir faire du sport avec ta bouffe. C'est très logique. Ben bah, oui, non, mais les sims, ce sont, sont la, la logique incarnée. Alors, Patrick Avié, quel va être son petit trait Ok, dynamique. Alors, Amandine Avié, quel va être son petit trait Dynamique aussi. Non, mais... Bon, tu me diras, c'est des triplés. Ok, on aura des cadeaux. On s'en fout. Jour du nouvel an. Oh là là, la flemme. Ils sont tous blonds. Encore? Axel vie quelle va être son premier petit trait? Ok, espiègle. très bien. Écoutez, je pense que je vais faire le relooking tout de suite. Oui bah vous êtes triste, bah super quoi. On va donc aller faire le relooking de tout le monde et ensuite je vais m'occuper un petit peu des besoins comme d'habitude. Alors on va commencer avec les ados, je pense. Oh là là, non mes flèches. Oh bon déjà j'ai un j'ai un CC qui fait ça, c'est super relou. Je sais pas pourquoi ça le met sur les hommes en fait. Vraiment je sais pas pourquoi, faut que je comprenne euh, le délire en fait parce que normalement ça devrait le mettre que sur les femmes. Et depuis une mise à jour cessé de nouveaux sous-vêtements le met aussi sur les hommes. Ma foi, je suis un peu dégoûtée qu'il n'est pas du tout d'épaule. Enfin, je suis un peu triste en fait. Genre flèche, je le voyais trop avec une carrure, avec des épaules. Bon, c'est pas très grave. Hein. Par contre, il a un très beau visage. J'aime énormément son visage. Au niveau de la coupe de cheveux, bon, on va mettre ça en mode rapidité. Mais là, t'as pas la carrure d'un mec qui va faire du sport et qui est rapide. Quoi, mais regardez-moi ses épaules Genre même moi, j'ai plus d'épaules que ça. Bon. <laughs> Ce n'est pas pour critiquer, ce n'est qu'un Sims. Écoutez, on va partir sur un relooking encore dans les couleurs un peu rouges. Voici pour le relooking de Flèche, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On en a donc terminé pour Flèche. On passe donc maintenant à sa sœur Flora. Flora, 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 qui n'a pas de lunettes. Oh, oh, elle est sympa! Flora, très sympathique, j'aime beaucoup. Cette robe en vrai lui va bien, donc je pense que je vais lui laisser. Elle aime bien les baskets, donc au pire, on va partir sur d'autres baskets. Celle-ci. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo tri de CC avec vous. Je l'avais déjà fait il y a longtemps. Mais si vous voulez, je peux peut-être vous en refaire une. Je pense plutôt que je lui mette une robe comme ça, mais jaune. Voilà, parce qu'elle aimait bien. Ouais, ça lui va mieux. Et ça bug pas au moins. Alors, niveau coupe de cheveux, par contre, j'avoue que je suis pas trop fan de celle-ci. Enfin, en tout cas, sur elle, je trouve pas que ça lui aille excessivement bien. Ah ouais, elle est trop mignonne là. Allez, on part sur ça. Donc Flora on l'avait mise en verte, c'est vrai, sauf que vous m'avez dit que Flora normalement elle était en bleu, mais là vous savez quoi Elle va partir en, en jaune blanc. <laughs> c'est son délire, c'est son kiff, on part sur ça Voici donc pour le relooking de Flora, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Et je vous le rappelle, en barre d'information vous avez le lien pour télécharger le cc du background avec ce miroir, etc. et le lien aussi pour avoir les quatre colonnes dans le cul. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder en bas d'informations. Donc, maintenant, nous allons passer au petit triplé. qu'il va falloir que je change leur prénom. Oui, je vais aller voir vos commentaires. Alors, le commentaire le plus liké sous l'épisode 89. Oui, pourquoi l'épisode 89 Parce que sinon, vous, dans les autres épisodes, vous n'avez pas vraiment proposé de prénom avec un G. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, on va aller sous l'épisode 89. C'est celui de Julie22. Prénom en G Ga, Groot, Gary, Gaston, Géno, Georges, Fille, Goury, Georgette, Grace ou Grace. On a deux filles et un garçon. Bah, je pense qu'on va faire G Georgette et Grace. Oui, Georgette, oui, je vois qui c'est. Et pour le garçon, en vrai, Groot, c'est trop sympa. Sinon, il y a Gaston. Oh, Gaston, Georgette, Grace. On va partir sur ça. Donc, on va passer à Gaston en premier. Gaston, euh, petit euh, casse-cou. Comment on va l'habiller Un peu, il se la pète. Déjà, la coupe, je kiffe sur Gaston. Je pense qu'on va laisser. Oh, ils ont des beaux yeux bleus. Mais niveau vêtements, ouais, je sais pas trop comment l'habiller en soi. On va voir. On va tenter. <laughs> Voici donc pour le relooking de Gaston. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête. Sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On passe donc maintenant à Georgette. Georgette, c'est celle qui aime le vert ou celle qui aime le rose dans Cendrillon Georgette, c'est bien dans Cendrillon, non Je suis pas folle. Je crois que c'est ça. Oh, Peut-être que je me plante complètement et que c'est pas ça. Bon, par contre, elle est pas très belle. <laughs> je sais pas, j'aime pas trop. <laughs> je suis pas excessivement fan hein, de choses à part ton visage, je me perturbe. Niveau coupe de cheveux, on va partir sur ça. Et niveau vêtements, je sais vraiment pas sur quoi partir. Là, Georgette, ça me dit rien du tout pour Disney. On va tenter, encore une fois, on va tenter. Et voici pour le relooking de Georgette, sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. On passe donc maintenant à sa sœur, Grace. Grace, j'ai envie de la faire extrêmement féminine, un peu en mode grâce. Vous <laughs> voyez ce que je veux dire Les fleurs, ça peut être sympa pour Grace, ok. Et on va partir sur des vêtements peut-être un peu. Blanc épuré. Oui, on peut tenter ça. Et voici donc pour le relooking de Grace sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue tant chaud. Et sa tenue temps froid, on en a donc terminé pour les relooking. Donc là maintenant le but c'est de s'occuper des besoins et des compétences. Alors les bébés, vous allez commencer à faire un petit peu mouvement. Donc tu vas glisser plein de fois là. Toi, comment tu vas Tu vas pas très bien, tu es triste et tu un peu fin déjà. Va jouer à l'intérieur et toi, tu vas un petit peu mieux au pire. Maman, elle va t'apprendre à aller sur le pot. Comme ça c'est fait. Apprendre à aller sur le pot à la petite Grace. Elle est en train de faire de l'escalade dans sa tenue temps froid et pas sa tenue de sport. C'est peut-être pas très logique, non Elle augmente quoi comme compétence là Je pense qu'elle augmente Fitness escalade, mais j'ai l'impression que ça va être très très long hein, pour augmenter. Je sens que ça va euh, lui prendre 3 ans. Comme ça, je lui fais faire plein de fois de l'escalade en espérant que ça va augmenter euh, assez rapidement. Sa compétence escalade des fitness. Donc, toi, tu glisses, il a pas de souci. Toi, tu es en train de jouer, ça va. Et tu commences à avoir un petit peu faim. Prends une portion. Et toi, maman, tu as appris à aller sur le pot, c'est parfait. Maintenant, maman, elle va t'apprendre quoi Les trucs de support visuel. Hop, les besoins de base. Lui, il commence à avoir un petit peu faim. Alors, ça, on va vendre. Est-ce que tu as fait tes devoirs Non, tu pas fait tes devoirs. Hop. Et après, tu vas aller manger au niveau de sa compétence. Il a déjà le niveau 3 Mais c'est aller super vite le piano. Ok, donc lui, il est tranquille en fait. Donc, tu vas prendre aussi une portion ici. Les landons on va les laisser, franchement, on s'en fout. Et toi, t'en es où Ça va. Ah, tu augmentes, ah, c'est long hein. Oh là là, non mais fitness escalade, c'est bon, c'est mort. Regardez le temps que ça prend. Laissez tomber. Je pense qu'elle va surtout aller aux toilettes et elle va faire une autre compétence. Parce que ça prend beaucoup trop de temps. Elle va aller faire de la peinture. C'est bien la peinture, ça va super vite la peinture. Ça va, petit bout de chou. Gaston niveau 3 en mouvement. Ah oui, non mais Gaston, stop. Viens là, viens prendre une portion. Hop, Gaston il va manger parce qu'il en peut plus. <laughs> va falloir aussi que après il aille dormir. Il a besoin d'attention. Est-ce que parler au doudou, ça t'en donnerait Tu vas babiller 20 milliards de fois et ensuite tira au dodo. Oula, mais nous aussi on a extrêmement envie d'aller aux toilettes. vas va aux toilettes c'est vrai quoi je sais pas dans combien de temps on va coucher ok on va beaucoup mieux ah le courrier a été distribué et eh ben écoutez on va aller choper le courrier hop 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 je pense qu'on va avoir beaucoup de cadeaux encore une fois à vendre Ah, va falloir qu'elle nettoie ça la petite aurore, parce que c'est dégueulasse toi aussi t'as pas du tout le niveau 2 en mouvement Déambule, au pire tu vas glisser faut qu'il soit 2 en mouvement à chaque fois pour monter les escaliers donc euh, je vais essayer de leur faire augmenter ok elle a augmenté la peinture elle très bien je pense que ça ira beaucoup plus vite que escalade et fitness et elle avait fait ses devoirs bon après ça devrait aller donc je pense que lundi ils auront un a donc ça c'est pas plus mal Comment tu vas, mon petit Gaston? C'est bon, la tension s'est remontée. Bah, va, Dodo, mon petit Loustico, parce que t'as envie. Niveau d'un en mouvement, Grace, parfait. Donc, Grace, elle a besoin de dormir. Arrête de glisser, hop. Tu vas venir ici pour Dodo. Nous, on avait vendu notre toile. On va en refaire une. Go, go, go. Ouh, on a un big, big ventre. Troisième trimestre dans 21h. Ok, ok, ok. On a un petit peu faim. Donc, après, on va aller prendre des restes. Vendre à un collectionneur. Très bien, t'as besoin de te divertir. Au pire, euh, va rigoler avec ton, ton frère. Proposer un plan. fou. parler un petit peu entre vous, c'est ça? Drôle. Tu vas faire des grimaces. Bien sûr, vous parlez dans la chambre des bébés qui sont censés faire dodo. Hein. C'est très logique. Hein. Donc, dans drôle, on va faire euh, faire une blague à propos de l'acné. Non, bah non, c'est nul faire une blague à propos de l'acné. Moi, je veux juste que tu fasses des blagues drôles. Euh, faire une blague à propos des poils. Non, mais pourquoi faire une blague à propos de la barbe, des poils Mais pour moi, c'est du harcèlement, ça. Donc, non. Raconte une histoire drôle, c'est tout. Oh, c'est quoi ces, ces trucs pourris, là Blague perso. C'est sympa, blague perso. Ça augmente trop lentement le divertissement, par contre, ça, c'est vraiment relou. Tu vas retourner faire un petit paysage pour être niveau 3. Après, je m'occuperai de tes besoins. Ah oui, on a plein de trucs à vendre bon on vend tout. Comme ça, c'est fait. Hop, 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 hop. Voilà. Ça nous fait 5000. On est bien. On a envie d'aller au pipi room. Ben, go. <laughs> Et ensuite, on va aller dormir. Le jardin, par contre. Euh... Le jardin, il a disparu. Il est mouru, le jardin. C'est parce qu'on est passé en hiver Travail supplémentaire terminé pour Flèche. Super. Ah, Dory qui nous appelle. Elle est trop belle, Dory. Il paraît que les t-shirts du festival sont géniaux. Ouais, mais non, on va pas venir avec toi, Dory. On n'a pas le temps. Donc, euh, la petite Flora, elle va manger quelque chose. Parfait. Après, elle aura besoin de se divertir. Donc, je pense qu'elle va euh, peut-être euh, regarder. Euh... La télévision du jour de l'an, pourquoi pas. Et ensuite, elle ira dodo. Donc là, c'est bon, s'occuper des besoins un petit peu de tout le monde. Alors, Gaston, 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 tu peux te réveiller. Tu vas faire babiller pour avoir un petit peu d'attention 20 milliards de fois. Toi, t'as besoin de dormir et toi, euh, t'as besoin d'aller sur le pot, mais personne peut t'aider. Donc tu te feras dessus. Niveau 2 en communication, Gaston, parfait. Il n'y a que Gaston à 21h qui est encore réveillé. Hein. <laughs> Parce que les autres, vraiment, leurs besoins, c'est n'importe quoi le truc. Niveau 2 en imagination, Gaston, parfait. Et après, on va faire un peu de la réflexion sur la. Tablette. Donc la réflexion sur la tablette, ça va être joué à Sims Forms. Ok, dimanche matin, tout le monde est réveillé. Euh, ça pète des watts. Il faut que je les nourrisse. <laughs> j'arrive, j'arrive. Je vais vous nourrir. Hop. Prends une portion. Joue pas à la tablette. Et toi aussi, je crois qu'il faut que tu te réveilles d'urgence. Maman, va falloir apprendre à tes autres enfants. à aller sur le pot. Hein. On va apprendre à Grace pour l'instant. T'en es où, toi, mon petit flèche Ouh là, flèche, il a faim. Flèche, tu vas manger un petit repas rapide. Des biscuits animaux. Tira ensuite au pipi room. La petite Georgette qui regarde sa sœur Grace sur le pot. Il Trop en imagination, Gaston, parfait. Ah, ça s'est cassé. Bon, on va remplacer. C'est pas très grave. T'as faim. Va manger, ma petite. Ou au pire, cuisine un truc, c'est bien aussi si t'augmentes. J'ai fait cuisiner de la brioche, les gens. Maman apprend à la petite Georgette à aller sur le beau puisque Georgette, bah, elle en avait besoin, mais maintenant plus, parce que bah, elle s'est fait dessus, hein, forcément. <laughs> C'était obvious. Et Grace, comment ça va Ok, Grace, elle est bientôt 2 en imagination. Je vais la laisser encore augmenter. Oh, Grace, elle est presque 2 en pot. Ouais, oh, mais c'est vrai que le niveau 1, il va assez vite, en vrai. Le niveau 1, c'est vrai. C'est bon, 2 en imagination, parfait. On vient de passer au printemps. Niveau 2 en réflexion Gaston, bravo. Niveau 3 en imagination Grace, Grace, stop stop stop, qu'est-ce qu'il faut que tu augmentes maintenant Communication, va parler avec le doudou. Là il y a un doudou ici normalement. Ouais, tu vas les babiller 20 milliards de fois avec le doudou. Alors Georgette, elle est presque deux en peau en imagination, ok, mais communication zéro. Au pire babille encore. Hop hop hop, je fais les compétences. Voilà, là on, on fait au mieux qu'on peut. Voilà voilà. Est-ce que toi t'as une tablette Non c'est pas toi qui as une tablette, c'est ta sœur Grace qui a une tablette. Alors Flash en vrai, je lui fais faire du piano parce qu'il aime la musique, mais il aurait tellement pu faire du Sport parce que son nom, mais bon, il préfère la, la musique, ok. Nous, on est en train de faire du travail supplémentaire et après, il va falloir qu'on. Niveau 2 en communication. Qu'on retourne faire une petite peinture. Niveau 3 en communication, Georgette. Parfait. Bah, Georgette, arrête. Donc maintenant, bon, en vrai, elle a un peu sommeil. C'est tu sais quoi Je vais la faire aller, Dodo. Ah, mais c'est pas les devoirs de, de monsieur, là Il les a laissés par terre, celui-là. Non, mais je rêve. Niveau 3 en communication, Grace. Bah, Grace, 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 elle est où Grace aussi, elle a envie de dormir. Bah, va, Dodo, Grace. Hop, nous, on aide notre fille à faire ses devoirs. J'ai trop hâte qu'on accouche. On accouche dans combien de temps Dans combien de temps Dans combien de temps 3 Deuxième trimestre dans deux heures, oh là là, on va accoucher lundi. C'est long, allez, allez, je veux accoucher. Là, si on accouche, on a euh, genre des jumeaux. Techniquement. Il nous restera donc trois bébés à faire. Ok, je crois qu'elle a fini son travail supplémentaire. Oh, on vient d'atteindre le niveau 10 en cuisine. Oh, mais trop forte. Bravo. Oula. Parce qu'elle a un ventre énorme. Il y a un petit bug là. Écoute, prends une portion de ça. Ensuite, tu vas aller aux toilettes et tu as besoin de social. Je pense que tu vas aller parler un petit peu avec ton fils. Voilà, il parle devant la télé. Trop mignon. Comme ça, ça augmente en plus la, euh, le divertissement et le social. Raconter une histoire drôle, raconter une histoire incroyable. Niveau 3 en peinture, Flora. Bravo. Bah, arrête de faire ta toile. On s'en fout maintenant auras le A sans souci. En plus, ils ont fait leur travail supplémentaire, donc ils auront un A tranquillou. Elle va aller manger la petite Flora. Ah, ils sont en train de jouer aux échecs Non mais j'adore je ouais. <laughs> Bah, jouer ensemble, ouais, pourquoi pas, c'est sympa Aurore, elle est un peu fatiguée, donc je pense qu'elle va aller dormir après. Niveau 2 en mouvement, Georgette. Bravo, Georgette Oh là là Niveau 3 en réflexion, Gaston Mais il va pas bien du tout, je l'ai oublié Oh là là Alors, Gaston, par contre, <laughs> il a passé 3 heures sur la tablette Mange, 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 Gaston, mange Oh là 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 Bagdad le truc et après il a sommeil oui bah je suis désolée mon loustico tu vas aller dodo après oh, le pauvre Gaston bah, au moi il est trois c'est génial donc là il va lui manquer communication et peau oh pétard Gaston ah en vrai ça pourrait être sympa qu'il fasse du ski un peu qu'on le regarde un peu un mode chill alors elle va essayer de faire de, du snowboard ouais pourquoi pas faire du snowboard pour débutants continuellement voilà elle va faire pipi elle va faire un peu de snowboard ça pourrait être sympa et puis son frère aussi en vrai non, son frère, il va pas bien. Son frère, je m'occupe de ses besoins. <laughs> Mais il va pas aller faire du snowboard Niveau 3, en mouvement, Georgette Parfait Oula, oula, oula Réveille-toi, toi T'as besoin de manger Eh ben, descends, hop Georgette, il lui reste imagination, peau et réflexion. Bah, Georgette, tu vas prendre la tablette de ton frère, et tu vas aller faire de la réflexion. On va regarder la petite Flora faire du snowboard. Allez, c'est parti Ça va, elle gère, elle gère, elle s'est cassée la binette <laughs> Bon, allez, amuse-toi encore un petit peu, mais quoique, non, tu l'as fait une fois, ça suffit, je pense. Va dormir, madame est fatiguée et demain vous avez cours. Niveau 2 réflexion pour Grace, parfait. Elles sont toutes les deux en train de jouer à la tablette. Hein. <laughs> bah, elles sont pas fatiguées, donc je les fais jouer à la tablette. Va falloir juste que je les nettoie euh, au réveil, mais là, je crois qu'on est encore trop fatigué. Nous, Aurore, on n'y arrivera pas là. <laughs> C'est Bagdad. Ok, Aurore s'est réveillée à 2h du matin. Elle va aller donner un bain euh, à la petite Grace qui en a vraiment besoin. Et même Gaston, il en a besoin de ouf aussi d'un bain, le petit Gaston. La pauvre Aurore, elle en peut plus. Elle a faim en plus. Elle est en train d'aider sa fille à aller sur le pot. Ensuite, elle va prendre des restes. Niveau 2 en pot. Grace, bah parfait, comme ça elle pourra y aller toute seule. Gaston qui est réveillé et qui se fait laver par son grand frère. Oh il est tout seul, Gaston, il a vraiment de, des traces de ouf. Et Gaston, tu as besoin qu'on t'apprenne aussi à aller sur le pot. Tu vas demander à ton grand frère, aide pour le pot, demander à Flèche, parce que Flèche, bah il est réveillé, il va plutôt bien, je crois. Donc là, c'est accouchement dents, donc on risque d'accoucher euh, ce soir en fin de journée, je crois. Vous allez recuisiner des trucs parce qu'il y a déjà plus grand chose à manger. Donc cette fois, ça sera salade du jardin, portion 8 parce que tu vas plutôt bien. Les cours commencent dans une heure. Oui, euh, tu vas peut-être te prendre d'une douche avant d'aller en cours pour être un minimum propre s'il te plaît. Ok, elle a fini de faire la salade, c'est parfait. Donc maman en se réveillant, elle va nettoyer ça. Les ados partent à l'école, je vais les faire réviser assidûment pour qu'ils reviennent avec un A et qu'on les fasse partir. Attendez s'ils reviennent avec un A et qu'on les fait partir et qu'on accouche après, on peut avoir des triplés. Il nous reste 5 bébés à faire. Franchement, j'y crois. Dans le sens où, encore deux épisodes max et on a terminé. Je pense, je pense, j'espère. J'y crois. C'est vraiment pas facile, sérieux. Le courrier a été distribué. Ok, il y a les factures à payer. On va se réveiller. On va aller payer les factures. 4000 Ça va, on a 81 000, on est tranquille. Niveau 4 en communication, Georgette. Très bien. Et toi, tu fais dodo C'est bon. Enfin, <laughs> la galère de s'occuper de tous ces mioches. Je vais essayer de finir encore en deux épisodes. Parce qu'on a l'épisode 92. Donc ça ferait 94 épisodes. C'est bien. Ou 95, le 5 est bien. 95 épisodes, c'est sympa aussi. En vrai, je pense qu'on peut finir en 95 épisodes le challenge. Je pense qu'on peut le terminer. Oh là 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 là, on aura fini avant 100, mais c'est mieux parce qu'on n'en peut plus. Je pense que vous êtes beaucoup à plus. Oh, le travail a commencé. Ok, je croyais que ça allait être ce soir, moi, qu'on allait accoucher, mais c'est une dinguerie. Ben, attendez, on va la laisser faire tout ce qu'elle avait à faire. Je vais en nettoyer, aller payer les factures et tout. Et Après, on va aller, euh, on va aller là-bas. On va rejoindre bien sûr pour avoir les certificats et on y va toute seule. T'es content <laughs> D'accord, super. Et là, il va paniquer. Encore une fois, Karim, ce ne sont pas tes enfants. <laughs> ce ne sont pas tes enfants, Karim. <laughs> Ça me tue, franchement. Ça, c'est un running gag, genre. C'est un running gag entre nous, les enfants de Karim. Allez, go, go, go. Karim, fais-nous sortir nos bébés. Ok, c'est une fille, les gens. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, un prénom de fille qui commence par la lettre après, après G, c'est quoi A, B, C, D, E, F, J, K. Non, mais attends, attends, attends. A, B, C, D, E, F, J. Kay. La meuf, elle connaît pas son alphabet. Donc s'il vous plaît donnez-moi des prénoms de filles en commentaire qui commencent par un K et qui viennent du monde de Disney. Donc pour l'instant tu vas t'appeler... Elsa. Non, tu vas t'appeler Justine, voilà, c'est très bien. Et encore une fille, ok. Tu vas t'appeler Laura. Mon prénom, super. Je sens qu'elle va être relou, celle-là. Les enfants viennent juste d'arriver ici, c'est parfait. Il y avait déjà les lando, donc ça, c'est nickel. Écoutez les autres, vous révisez toujours assidûment. Oh, il est pas diverti du tout. Ah mais c'est bon, regardez, ils sont excellents. Ils vont avoir un A ah, tranquille, il est 13h, ils reviennent à 15h, on est large. Comment tu vas, Grace Grace, t'as envie d'aller toilette. Est-ce que tu payes comme une grande ou pas Oui, tu payes sur le pot comme une grande, ok, parfait. Et toi, Georgette, t'as un petit peu faim. Bah, Georgette, descends ici, je vais te nourrir. Et toi, mon petit Lustico, t'as sommeil et t'as envie d'aller sur le pot. Le pot va vraiment falloir qu'on te la prenne. Mais au pire, c'est pas grave. Va dormir ou t'apprendra le pot plus tard. Bon, nous, on va plutôt bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Les notes sont en hausse. Les notes sont en hausse. Oui Ok, ils sont revenus de l'école. C'est parfait. Vous allez. Euh... Oh, t'as besoin de te divertir et t'es très triste. Non, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller courir pour te vider l'esprit. Voilà. Et toi, mon genou, tu vas aussi aller courir pour te vider l'esprit. C'est très bien. Et ensuite, il va falloir qu'on vous sorte le. Un... Non, qu'on fasse un gâteau d'anniversaire, puisqu'on n'en a pas. On n'en a plus des gâteaux d'anniversaire. Ok, le gâteau est terminé. C'est parti. On va mettre des bougies d'anniversaire. Je ne perds pas de temps. Et vous allez ensuite vous en aller. <laughs> Donc, vas-y, souffle les bougies. Et toi, après, tu viendras aussi faire ton anniversaire. Flora a vieilli. Quelle va être son troisième et dernier trait de caractère Glouton. Ok, on va la mettre dans la nouvelle. Alors, diplômé avec mention, bravo Flora! Maintenant, c'est au tour de Flèche de souffler les bougies. Flèche a vieilli, quel va être son troisième et dernier trait de caractère? Sur de lui, ok. Et on avait dit qu'on le mettait dans la musique, donc il va y rester. Diplômé avec mention. Écoutez, je vais donc pouvoir sauvegarder et euh, les faire déménager. Hop, on sauvegarde et on gère les mondes. On va leur donner 10 000 parce qu'en plus, on les a même pas fait euh, choper un travail. Ça a été un petit peu expéditif, je sais, mais j'en ai pas plus, comprenez-moi! <laughs> Donc là les gens... Il est 18h, on peut peut-être essayer de retomber enceinte. Est-ce qu'il y a un monsieur là Oh mignon, Oh il est mignon lui Pierre Ok, présentation dragueuse, direct. Ah, on peut pas faire dragueuse Bon bah présentation chaleureuse. Ok, parfait, on a fait une petite présentation. On va papoter un petit peu, le complimenter, parler du temps ensoleillé, et après on attaque direct dans la drague, complimenter l'apparence. Et hop hop hop, c'est parti, let's go. faut quand même qu'on demande s'il est célibataire en espérant qu'il le soit. Ah Elle est habillée comme nous cette madame <laughs> Ah, il est marié à Jeanne. Bon bah super. On lui offre un cadeau. Un Ballon de foot. Franchement, s'il kiffe pas. <laughs> T'aimes pas Eh, hey, t'es compliqué à pécho là, monsieur. Hein ah, et là, il nous offre une rose. Non, mais il est, ch... il est chelou de ouf, ce gars. Ok, les gens, premier baiser, premier baiser. Oui Ok, parfait. Oh là là, il se galoche dans la rue devant tout le monde alors que le gars est censé être marié. Je pense que là, on a assez d'amour pour tenter de faire un bébé dans la douche. Ouais, essayez de faire un bébé avec Pierre. C'est parti, on va demander. Oula, mais qu'est-ce que vous faites les bébés, vous oh, Ça va pas du tout, toi. Et toi aussi, ça va pas très bien. Bon, toi, va dormir. Hop, va au lit ici. C'est parti, ils vont faire un bébé. Go, 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 go. Yes, yes, yes. Après, il faudra qu'on s'occupe de tous nos gamins. Qui pleut. Oui, j'arrive, j'arrive. Ne pleurez pas, tout va bien. C'est Bagdad. Allez, allez, allez. On veut juste finir sur ça, être, être retombée enceinte. Bon, je m'occuperai des besoins plus tard. Bien sûr, je jouerai en off jusqu'à qu'on fasse vieillir tout le monde. Je veux juste là être sûr qu'on soit enceinte de nouveau pour donc notre peut-être dernière grossesse puisque là on est donc à 97 bébés. Il nous reste trois bébés à faire. Si on fait partir les triplés avant, peut-être qu'on aura euh, des triplés. Sinon, je vais être triste. Hein, parce que euh, je veux pas encore avoir des jumeaux moi. Je veux pas encore faire un bébé. Non non. On va tout faire pour avoir des triplés. <laughs> Donc va faire un petit test de grossesse ma poulette. Pourquoi y a pas la musique Pourquoi y pas la musique On n'est pas enceinte. On n'est pas enceinte. Oh, si c'est bon. On est enceinte. Ok, donc là, soit on aura des jumeaux. Enfin, si on n'arrive pas à faire partir les triplés, on aura des jumeaux. Mais je vais les faire partir avant. Genre, euh, je vais tout faire. J'y crois. J'y crois vraiment. Ok. <laughs> Écoutez, on va se laisser sur ça. Je vais laisser l'épisode sur là. Là, j'en peux plus. Je sauvegarde. C'est fini pour cet épisode. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!